Coucou les gens, c'est Coucou le Geek et on se retrouve pour un nouvel épisode de Survicraft. L'épisode 5, oui, si je ne me trompe pas, ou plus précisément, ou plutôt l'épisode 3, mais parce qu'il y a eu deux prologues avant. Et on se retrouve en gros, on a un problème, c'est que vous n'êtes pas du tout à jour, vous, dans vos épisodes en gros. C'est parti pour un petit résumé. Sur Minecraft, il y a toujours eu des trucs magiques. Hein, ces trucs magiques, c'est les tables d'enchantement, les potions, tout ce tralala. Bon, ces trucs magiques, avec Pikin, on s'est dit, mais tiens, mais si on regroupait tous les trucs magiques dans un seul bâtiment sur Survicraft. Et c'est pour ça que j'ai créé la tour de mage. Dans cette tour, il y a toutes les choses magiques qu'on peut trouver. Du coup, on a décidé de tout regrouper dans une tour de mage que nous avons fait. Également, j'ai trouvé un biome marais sur le serveur. Alors, là, je suis pas sur le serveur, c'est normal. Également, cette vidéo, dans quelques minutes, normalement, Pikin devrait nous rejoindre. Ça également, c'est un design, je vous explique ça juste après, même si on le fera pas. Et en gros, tout simplement, j'ai trouvé un biome marais. J'ai dû passer près d'une heure à attendre zéro slime, vraiment. Zéro slime. Et pourtant, je suis sûre qu'il y avait... Enfin, que les slimes pouvaient spawner. Ça, c'est sûr. C'est pas ça le problème. Je pense que ici, c'est une tour à mob. Ah oui. Alors, en effet, c'est une véritable tour à mob. J'ai un effet de force, si vous comprenez pas pourquoi je les one-shot. Hein. J'adore me give des effets de force. Bon. Ça fait partie de mes plus grandes occupations dans la vie. Me donner des effets de force. Oui, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, les tapis sont vraiment hideux. Enfin, bref. Et du coup, voilà. Donc, cette tour à mage, également, vous pourrez la voir. Également, nous avons fait une petite ferme à laine. Si je crois... Non, elle n'était pas là dans le dernier épisode. Une ferme à neige. Ferme à neige, parce que j'ai trouvé un biome montagne. J'ai fait énormément d'exploration. On a du sapin, des arbres. On a toutes les sortes d'arbres différents. Et également, ça c'est pour la tour à mob. En fait, la tour à mob, on a prévu de l'agrandir et qu'elle fasse 10 étages. Or, une tour à mob de 10 étages, ça prend de la place. Du coup, on s'est dit avec Pikin, parce que vous voyez là, il y a les 10 étages de la tour à mob. Attendez, juste. Je pense que vous devez rien voir, du coup, effet give, coucou le geek. Avec vision. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ça la tour à mob en gros. Chaque truc comme ça, là, chaque pièce, c'est un étage. Du même design qu'on avait auparavant. Et juste, c'est hideux, vraiment, d'avoir un gros truc comme ça partout. Du coup, on s'est dit qu'on allait le camoufler dans un phare et on fera pas ce design-là. Parce que ça, en créatif, ça se fait en une demi-heure, même pas. Mais en survie, enfin, le grès lisse, là, va en falloir des milliers de stacks, vraiment. Mais sinon, ça fait un beau phare, hein, attendez. Ça éclaire quand même pas mal. Bon. C'est plutôt le phare qui éclaire que la... Bref, ça c'est le gros problème, c'est que même si on met plein de glowstone, ça va pas éclairer plus loin en fait. Ça c'est un gros problème. Et également, on s'est décidé pour que... Attendez, je vais remettre le jour. Également, on s'est décidé avec Pikin pour faire une salle des coffres. Parce que ça devient vraiment le gros bordel. Du coup, voilà le design. Donc simplement, des rangées de coffres comme ça. Également, ça Pikin, je l'ai fait en ton absence, mais bon. Une entrée par là. Alors, elle sera en souterrain. Du coup, ici, il y aura une échelle, mais voilà. Je préfère éviter que l'échelle arrive directement dedans, ça fait trop bruit. Et au milieu, un petit arbre custom, je pense. Donc on fera une sorte de mini chaîne custom comme on avait pu le faire. Enfin, moi en tout cas, arbre custom, je partirai sur un chêne. Surtout que j'en ai déjà fait, donc... Voilà. Également, maintenant, je propose qu'on fasse une petite coupure et qu'on se retrouve sur le serveur pour que vous puissiez voir l'étendue du bazar. Relais jambon. Donc, vous voyez. Du coup, petite visite de la map. Ici, on a des bambous. Ici, la tour à mob, on a rajouté un étage. Du coup, il y a deux étages sur cette tour à mob. Elle tourne deux fois plus vite, logiquement. Ouais, elle tourne deux fois plus vite, hein, mais... Bon, en vérité, elle n'a pas dû tourner très longtemps, non. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour tourner aussi, donc ça, c'est compréhensible. Et je prends la défense de la tour à mob. Également, au niveau de la muraille, on a un petit peu avancé. Je crois que vous aviez pas vu, mais on a fait deux autres segments. Excusez-moi s'il y a des petites incohérences par rapport aux derniers épisodes, vraiment. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le premier rush fait 5 minutes, ça fait un tiers de la vidéo. Vraiment, j'ai très peu de temps.
Et je dois tout vous expliquer. Et en plus, ça fait 10 jours que les anciens rushs ont été tournés. Donc ici, petite ferme à cactus. Bon, vraiment toute petite, mais c'est pour... C'est pour la tour de mage qu'on a besoin de ça. Donc attendez, je vais vous expliquer. En gros, donc la tour de mage, elle est juste ici. Vous voyez, la magnifique tour de mage. Également, ici, on a des sapins. Ici, on a des chênes noirs. Je vous dis vraiment, on a trouvé toutes les sortes d'arbres, je crois. On a de l'acacia, oui. Oui, on doit avoir tout. Oui. Oui, on a toutes les sortes d'arbres. Là, je viens d'y repenser un peu. Donc ici, petite ferme à neige semi-automatique. Il y a un zombie. Non, ça. Putain, il y a un cochon zombie qui a spawn dans le portail. Oh, c'est génial. Oh, bon, voilà. Là, j'ai tué le cochon zombie. J'espère juste qu'ils vont pas appliquer ses potes. Parce que dans les portails, il y a des cochons zombies qui peuvent spawn. Bref, du coup, ici, petite ferme à neige. Il suffit de casser la neige ici et voilà. J'explique d'ailleurs ce système-là dans un labo tuto. Ici, ferme à laine qui fonctionne assez bien. La cisaille, elle a encore pas mal de dura. En gros, dès qu'il va manger par terre, enfin, il faut que l'herbe repousse. Ensuite, il va manger l'herbe par terre. Ici, il y a un observeur, en gros, attendez. Ici, il y a un observeur qui va... Ici, il y a un observeur qui va capter qu'il y a de l'herbe. Enfin, qu'il n'y a plus... Enfin, en gros, l'herbe va revenir. Ça ne va rien faire, étant... enfin, ça va envoyer un courant, mais ça ne va pas le tondre, étant donné qu'il n'aura pas récupéré sa laine. Il va manger pour récupérer sa laine, parce qu'ils doivent manger de l'herbe. Ils vont se rendre compte qu'ici, du coup, il n'y a plus d'herbe, l'observeur. Ça va envoyer un courant ici, et du coup, ça va envoyer un courant dans le dispenser qui va, dans... enfin, qui va tondre le mouton, tout simplement. Donc ici, vous voyez des arbres de la jungle. Ici, des fermes à bambou. Totalement auto. Donc il y en a 5. Alors, bon, vous voyez, des fois il y a des petits bugs comme ça. Ça, c'est un peu gênant. Bon, en gros, ça va quoi, ça fonctionne. En gros, donc le bambou il pousse de 3 blocs. Lui il capte qu'il y a un bambou et clac, ça casse les 3 blocs d'un coup. On a pas mal miné. Également, on a perdu pas mal de villageois à cause des PVP nocturnes. En fait, on s'est pas rendu compte, mais il y en avait la masse qui sont morts. Alors, ici, j'ai pas mal de chair putréfiée. Est-ce que. Non, c'est 32 pour toi. J'en ai un qui échange, je crois, 15 chair putréfiée. Je sais pas, faut que je vérifie. Enfin, bref. What? Non! Non, punaise! Vous avez vu ce que vous a... Attendez, je vous repasserai le truc au montage. Et il a despawn, voilà. Il a tout simplement despawn ce... Oh putain, mais non, pourquoi il a despawn? Bon bah c'est fichu, on a 5 symboles, il en faut 12 pour faire une porte. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre le prochain. Donc ça c'est vraiment ultra relou pour nos portes. Parce qu'il faut des slime balls. Puis ensuite, c'est à peu près tout au niveau de l'avancement, je crois. S'il y a des choses que vous avez vues que vous ne comprenez pas, bon, il y a des petits feux de camp par-ci par-là, mais des gros détails, enfin des gros trucs que vous avez vus que vous ne comprenez pas, dites-le. Les caisses comme ça, c'est parce qu'il y a des villageois dedans, c'est pour éviter qu'ils se barrent et qu'ils se fassent tuer par des pilleurs. Étant donné qu'on subit des invasions environ 3 fois sur 2, enfin 3 fois sur 2, ça n'a aucun sens. 3 fois sur 2. Ça n'a aucun sens. Ah tiens, Piquet nous a fait un petit buisson ici, j'ai l'impression, je sais pas. Bon, je lui demanderai. Également, Piquet n'est pas là. Bon, il n'était pas sûr de pouvoir me rejoindre sur V-Craft. Donc bon, bah, je vous dirai quand il sera là. Donc également, la tour de mage, là, elle est entièrement finie, mis à part cet étage-là. Cet étage-là, il manque pas mal de bibli. Bon, faut farmer le cuir, quoi. C'est le cuir qui nous gêne. Et les vitres, il n'y a aucune des fenêtres, et c'est tout simplement parce que c'est des fenêtres vert clair, et que bah, pour l'instant on en a pas, du coup on doit farmer les colorants vert clair pour tendre les fenêtres. Donc, j'imagine que vous avez compris, vous n'êtes pas débiles non plus. Et voilà. Du coup je propose qu'on va commencer à la... Faut que j'apprenne à parler. Je vous propose qu'on commence la salle des coffres, vu que c'était ça vraiment le but d'aujourd'hui. On commence la salle des coffres, je vais peut-être également un peu continuer la muraille et pas mal farmer, bon voilà. Également ici, il a changé sans citrouille. Ouais, donc je vais commencer un petit peu tout ce bazar-là et puis on se retrouve un peu après.
Ouais. Ah, également, non. Juste avant, qui n'a pas mal miné d'ailleurs, s'il a dû faire la récup. Donc, au niveau des ressources, on commence à être pas mal. 11 gems! Attendez, juste, faut que je vérifie un truc pour voir nos quantités de diamants. Je vais juste voir un truc. Au pire, attendez, je réunis tous les diamants, on se retrouve juste après ça, ok? Les gens, bon, vous voyez, l'étendue de notre stuff en diamants, ça commence vraiment à être bien, en fait. Hein. Niveau diams, là, on est pas mal. Attendez, limite, je vais continuer de faire un petit full diams. Là, ça, comme ça. Et voilà. Et donc, vraiment, niveau du... on a quasiment un full diams complet. Bon, après, on est deux. Vraiment, il va falloir que j'aide Pikin dans le minage, parce qu'il en fait beaucoup. Vous voyez, là, pour le full diams, ça commence à être bien. Ouais. On a déjà les deux outils de base, chacun, en diamant. Puis on a un début... Vraiment, ça commence à être très très bien pour le full diams. Également, je vais vous montrer le petit bug de X-Ray qu'on a trouvé. Bon, c'est un bug très simple, mais est très connu. Mais bon, certains d'entre vous ne le connaissent sans doute pas, donc... Autant que vous le connaissiez, ce sera toujours mieux pour vous. Donc, c'est pas compliqué. Vous descendez un peu. Tiens, bah, tenez, là, on a une station de X-Ray qu'on avait déjà fait. En gros, c'est pas compliqué. Vous faites une salle comme ça. Avec un composteur. Oui, un composteur. Un bloc de redstone juste ici, vous voyez. Ensuite, vous vous placez dans le composteur. Également, je crois que ça fonctionne aussi avec les chaudrons. J'ai pas testé, mais... Vous placez comme ça dans le composteur, là. Et vous placez le piston sur le bloc de redstone. Il va vous enfoncer dans le composteur, et là... Bah en fait, là, vous êtes à l'intérieur d'un bloc, sauf que vous ne pouvez pas suffoquer, étant donné que... Bah, à l'intérieur du composteur, vous voyez, vous êtes allongé. Bon, on ne voit pas très bien. Voilà, vous voyez, là, je suis allongé. Et du coup, simplement, je ne suffoque pas. Avant, il y avait pareil avec les mêmes cartes et les feuilles, mais ils ont corrigé le bug. Vraiment, j'espère qu'ils ne les corrigeront pas, ce bug, quand même. Quand même très utile. Donc les renouveler, ça peut être bien. Et là, du coup, on voit toutes les mines, absolument tous les machins, comme ça. Et avouez que ça a quand même une sacrée classe. Donc c'est quand même pas mal. Puis pour ressortir, alors, il faut toujours avoir une pioche ou une hache, enfin, un outil pour péter un piston. Vous avez juste à casser le piston au-dessus de vous, et puis voilà. Et du coup, vous pouvez vous faire plein de petites stations, comme ça, un peu partout. Et vous avez juste à vous balader avec un piston quand vous minez, et puis voilà. Oui, ça fait bizarre de se balader avec un piston quand on mine, mais bon. Hein, ne jugez pas, ok? D'ailleurs, moi... Pikin a fait une énorme gaffe. Alors, attendez, je vous explique. Ici, il y a un escalier pour monter, et ici, un portillon pour pas que les zombies puissent monter. Pikin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a mis des échafaudages. Alors, les échafaudages, Pikin, c'est très bien, sauf que je crois que les zombies peuvent les emprunter. Je croyais qu'il y avait une porte. Donc, bon, Pikin, enfin, j'aimerais avoir la certitude qu'il puisse les emprunter avant de les virer, quand même, mais bon. Quand même, Pikin, c'est pas très sérieux, tout ce boulot-là. Donc, également, du coup, on va la faire, cette petite coupure, finalement, hein, ça pourrait être utile. Enfin, voilà, la petite coupure dont je vous avais parlé il y a 52 minutes. Et du coup, on se retrouve juste après. Les gens, bon, après cette petite coupure, je me rends compte que j'ai un gros problème. C'est que, ils sont tous en train de... Non, mais d'où? D'où vous vous réfugiez, vous? Ah, vous réfugiez pas, je vous préviens. Oh, bah attends, il m'a fait péter mon machin. Bon, bref. Du coup, après cette petite coupure, je me rends compte que j'ai un gros problème. C'est que mon rush, là, il doit faire 13 minutes. Donc, vraiment, je suis désolée, les gens. Ce sera malheureusement pour le prochain épisode. Mais les épisodes doivent être très courts. Et vraiment, je suis désolée d'avance pour vous. Parce que, vraiment, c'est... Je sais que pour vous, ça doit être chiant, enfin. Mais à part ceux qui préfèrent que je fasse des épisodes plus courts, hein, dans ce cas-là, ça doit pas être chiant. Mais, voilà, je sais juste que vous préférerez avoir des épisodes de plus de 15 minutes, je pense. Du coup, les gens, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. Donc, à plus les gens, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse, lâchez un like si la vidéo vous a plu. Au revoir.